Bonjour à tous. Je voulais dans un premier temps vous souhaiter une très très belle année 2024. Voilà, avec tout plein de belles choses, de la joie, de la bonne humeur, des moments de partage. Le plus important, voilà. Et pour continuer avec tout ça, ben, on va continuer avec mon bujo. Voilà, je suis venue dans un premier temps rajouter, hop, voilà, 2024 ici en bas. Je continue dans mon carnet. Voilà. J'enlève le petit marque-page de Katia parce qu'il fait du bruit. Donc pour cette page de garde de 2024, ici, je vais venir coller une photo de moi et mon chéri. On a fait une très très jolie photo pour le nouvel an. Et du coup, je vais venir la mettre là une fois que je l'aurai reçue. Mais bon, vous ne la verrez pas parce que je ne veux pas que mon visage apparaisse sur les réseaux. Donc, ensuite, je vais venir tout simplement décorer ma page de 2024 en fonction de ma photo. Donc, je suis venue déjà préparer dans mes stickers, comme vous voyez. Alors, quand j'aurai ma photo, je vais coller ces deux ici. Et je vais venir coller le I love you, ici en bas dans l'angle, et prendre le 24 de cette planche-là pour venir le mettre ici en haut. Donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous allez bien en ce début d'année 2024. La petite bonne nouvelle du jour, c'est que mon contrat a été prolongé pour 3 mois. La personne que je remplace a besoin de temps pour prendre soin d'elle. Donc, on est tous les deux gagnants, vu qu'elle, elle s'occupe d'elle et moi, en attendant, j'ai du travail. Donc, ça va être encore 3 mois de plus, voire potentiellement un petit peu plus. Donc j'espère vraiment que cela va pouvoir se concrétiser par du un peu plus. Hop, voilà, petite fleur. Et lui, je viendrai comme ceci. Et ici, sur cette page, je vais venir marquer une petite citation. Être heureux, c'est décider de voir la magie dans votre vie et d'en créer davantage. Donc pour cela, je vais le faire avec mes stylos encre. Mes stylos plumes. Ils étaient tout simplement sur l'autre bureau. Alors, venir prendre le turquoise dans un premier temps. Voilà, je suis venue du coup inscrire la petite citation. Et je vais venir coller de ci, de là. Des petites choses. Et voilà pour ma page de garde. Alors là, il y aura la photo de moi et mon chéri avec le washi, enfin les stickers qui font une imitation washi. Et on passe à la page suivante. Alors j'ai juste préparé mes étiquettes hein, pour aller plus vite. Mais du coup, sur cette page, je passe mon petit mot et je vais venir faire tout simplement ma page budget pour le trimestre qui arrive. Alors, pareil dans les stickers que j'ai. Voilà, je suis venue chercher des stickers lettres. Tout
simplement. Voilà. Je viens ensuite prendre donc ces étiquettes-là pour créer mes catégories. Donc je disais mon budget couple, mon budget perso en charge fixe, les charges variables et je vais le mettre en doré. Mon objectif épargne. Alors, je vais prendre les marqueurs parce que c'est plastifié. Et j'ai peur que si j'écris avec un stylo Bic basique, ça tienne pas. Alors. Couple. Personnel. Variable. Épargne. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir agrémenter avec les stickers. Et voilà pour ma page budget. Et je vais ensuite passer alors, hop, à mes objectifs sur le trimestre et à mon plan YouTube. Voilà, YouTube, Instagram, j'ai envie d'essayer de planifier un petit peu plus les choses pour me fixer des petits challenges. Donc pour ça, voilà, je suis venue prendre différentes planches de stickers. Donc je vais d'abord marquer mes objectifs pour le trimestre. Hop là, voilà. Alors j'ai noté ces trois-là, puis je viendrai noter d'autres objectifs perso qui ne regardent pas YouTube. Mais hop, voilà. Donc j'ai marqué être à jour dans YouTube et Instagram. J'aimerais vraiment pouvoir être à une vidéo par jour et vous faire plusieurs posts Instagram. Voilà. Voir des petits shorts et réels que je mettrai à la fois sur YouTube et sur Instagram. Finir dans le positif, donc essayer d'arriver à marquer beaucoup plus les choses positives, à mettre du positif dans ma vie et sur mon compte bancaire. Prendre soin de moi et de ma maison, c'est vrai que je me suis un chouïa laissé aller cette dernière année, enfin cette année. Et la maison, pareil. J'ai plein de choses à faire dans la maison où j'aimerais retaper ma vieille armoire, plein de choses comme ça qui, depuis qu'on a emménagé, est en pièces détachées. Ça fera 3 ans en février qu'elle est démontée, donc il serait temps de prendre soin d'elle et du coup de moi en faisant quelque chose qui me plaît. Voilà, et puis après des objectifs perso, mais ça, c'est des petites choses qui ne regardent pas YouTube. Et donc ensuite, je vais venir. Attendez. Hop, voilà. Mon chéri vient de rentrer. Alors. Une petite séparation. Hop. Et du coup, je vais faire avec celui-là, j'avais dit. Hop. Alors, janvier ici. Février ici. Et mars ici. Voilà. Donc j'aimerais quand même
faire. Avec. Non, avec celui-là. Avec celui-là. Donc. Hop, il me faut un agenda. Et voilà du coup ma vision sur le trimestre pour mes vidéos. Voilà où j'aimerais venir évaluer si j'arrive à faire tout ce que je veux faire sur YouTube et sur Instagram. Donc sur la partie objectif, c'est très bien que ça soit là. Tout simplement pour venir marquer si j'ai fait YouTube ou Instagram en vidéo, tout simplement. Voilà, avec plus ou moins d'espace. Après, l'objectif, ça serait que j'arrive à sortir une vidéo par semaine. Et à faire des publications sur Instagram en même temps. Voilà le premier objectif. Et après, si j'arrive à faire plus, tant mieux. Et voilà du coup pour la présentation finale de mon bujo au niveau de la présentation 2024. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris plaisir à la tourner. Je vous laisse me mettre un petit commentaire, un petit like et un petit abonnement. Je rappelle que c'est gratuit. Et moi, ça me permet de savoir ce que vous en avez pensé et à la fois de remonter dans le recensement. Voilà, pour que d'autres personnes puissent découvrir ce que je fais. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Bye!